Une autre page noire s'affiche encore sur l'écran du showbiz et de la culture ivoirienne en général. Germain Kuyper, on l'appelait le mannequin du Seigneur. Chantre depuis de nombreuses années, il s'est éteint le 11 février dernier. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans Pipolémique, spécial hommage à Germain Kuyper, en compagnie de toute l'équipe, Annie France, bonjour. Désirée Alla, Marie-Dominique, et vous téléspectateurs et internautes, si vous avez un quelconque témoignage à son sujet, ce témoignage sera bienvenu sur ce plateau et pour le bien de tous, différentes adresses, différents numéros pour vous permettre d'interagir avec nous. La première adresse au bas de votre écran, n'hésitez pas, votre nom et prénom, et ensuite vous serez parmi nous en direct pour porter vos témoignages. Sur la page Facebook également, nous sommes en live, en direct. On attend bien sûr vos commentaires. À la télévision, retrouvez-nous dans différents canaux. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, enfin, ça concerne la TNT. Au sommaire de ce numéro noir de PPLK. Il faisait partie des chantres qui savaient lever les foules. Germain Kuyper, le chantre le plus jovial, est décédé le 11 février 2022. La 3, à travers PPLK, a décidé de lui rendre un hommage mérité. À titre de rappel, l'application RT Mobile est disponible. Vous le savez, Play Store et App Store vous permettra de nous suivre à partir de vos smartphones respectifs. Hommage à Germain Kuyper, chantre de l'Éternel, décédé le vendredi dernier. Seront donc passés en revue, et pour cet hommage et pour ce numéro de PPLK, sa passion pour la musique, ses œuvres pour la gloire du Christ, son amour pour les beaux vêtements, on le sait, on le savait également, c'était un féru de chiffon, comme on le dit, hein, de beaux vêtements, et on aura l'occasion d'en parler avec nos invités, mais sans oublier de mentionner les circonstances de son décès et si possible, et pourquoi pas, le programme des obsèques. On vous rappelle qu'on a dépêché sur place, c'est-à-dire à la maison du défunt, un reporter qui nous fera un compte-rendu fidèle de l'atmosphère qui prévaut en ce moment. Germain Kuyper, c'était avant tout un père, un époux attentionné et solidaire de tous. Germain Kuyper, nous ne parlerons pas de lui au passé, car comme le dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts, ils ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre, ils sont dans la foule. En clair, Germain Kuyper, le mannequin des chantres, est parmi nous ce jour. Et même si nous ne le voyons pas parce qu'il se cache de nous, il nous entend. Parce que cet hommage que nous lui rendons, il le mérite amplement. Germain Kuyper, himself, à jamais dans nos cœurs. Eh ouais, triste journée pour l'ensemble de la culture ivoirienne et des chantres en particulier. On essaiera autant que faire se peut de vous proposer un numéro à la hauteur et à la dimension de l'homme afin d'avoir une pensée pieuse pour cet homme de piété, ce serviteur infatigable de Dieu. Nous avons et nous aurons l'insigne honneur de recevoir des hommes de Dieu sur ce plateau. Ils sont deux, ils ont été très proches du disparu. Il s'agit en l'occurrence du pasteur Guy, qui est président de la mission chrétienne évangélique Bethel. Ainsi, ouais, on va justement l'applaudir. Oui. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Eli Oyedou. Merci. Eli Oyedou, qui on le rappelle est le cousin de Germain Kuyper et le président des acteurs du gospel en Côte d'Ivoire. Accueillons pasteur Guy, s'il vous plaît, président de la mission chrétienne évangélique Bethel. Lui également, on va l'applaudir. Sans oublier la chantre Léa, anciennement membre du groupe à succès La Harpe de David, qui sort de sa tanière pour l'occasion, et nous allons également l'applaudir.
Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Merci. Pour cet hommage. Condoléances déjà à vous, parce que vous avez été très proche de l'homme. Et merci en tout cas d'être là. Merci. De témoigner en face de la nation de ce qu'a été ou ce qu'est Germain Kuiper. Ce qu'est, parce que par ici, comme on a coutume de le dire, un artiste reste éternel. Un artiste ne meurt jamais. Et Germain Kuiper restera dans le panthéon de la musique religieuse chrétienne en Côte d'Ivoire et ses œuvres parleront d'eux-mêmes et bien sûr continueront à perpétuer les différentes générations. J'aimerais d'entrée de jeu, au lieu de faire comme à l'accoutumée, comme d'ordinaire, 30 secondes ou une minute de silence, j'aimerais pendant 5 secondes qu'on applaudisse l'artiste qui est. Chantre Léa, encore une fois, bonjour et merci d'être présent. Comment allez-vous? Bonjour. Qu'est-ce que je dis là? C'est fort, c'est un coup dur. Mais je n'ai pas tombé malade et puis il est parti là. C'est encore difficile à accepter. Incroyable même, je dirais. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais. Il faut tenir bon. Ouais. Pasteur Guy, merci d'être encore là. C'est nous qui vous disons merci. Merci à la 3, merci de ce plateau que vous nous donnez. Alors, comme on le dit, on est habitué à faire les émissions, mais j'avoue que dans les coulisses, j'ai une peur. J'ai une peur comme si c'était la première télé que je faisais dans ma vie, ouais. Parce que... On peut comprendre les mots. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans de bonnes dispositions et tout se passera pour le mieux. Ensuite, Elie Oyedou, cousin de Germain Kuiper. Oh, oui, parce que on a la seule chose que peut-être on n'a pas fait jamais moi, c'est peut-être ne pas porter les mêmes dessous. Mais sinon... Un peu de sourire. Voilà. Nous sommes des petits garçons dans Bobo. On a porté les mêmes pantalons. On s'est échangé les mêmes chaussures. Vous voyez les garçons qui grandissent dans une maison où il y a du monde. Ça se partage les chaussures, ça se partage les jeans, les t-shirts. Ouais. C'est ça que j'ai pratiqué avec Germain. Et puis on avait la musique en commun. Lui au micro, moi à la guitare. Et bon, peut-être que dans l'évolution de l'émission, je pourrais vous dire beaucoup, beaucoup de choses qu'on a traversées ensemble. Avec plaisir. Parce que on jouait pour 500 francs. Hein. Ah ouais. Ouais. On jouait pour 500 francs. Qu'est-ce qui vous guidait? C'était pas l'argent. La passion, l'œuvre du Seigneur, l'amour du Seigneur. On jouait pour 500 francs. Là où aujourd'hui, les gens gagnent pratiquement leur vie. Ouais. Avec nous, on jouait pour 500 francs. Vous jouez vos propres compositions ou vous interprétiez à cette époque? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous jouez vos propres compositions ou vous interprétiez à cette époque? Oh, lui, c'était un compositeur né. Ouais. Parce que même à partir d'une chanson qui est connue, il vous fait une déclinaison d'un titre, mais qui sort de l'ordinaire, hein, là, sur scène, là. Il va vous créer une chanson. Séance tenante. Voilà, séance tenante. Ça va très vite avec lui. Ouais. On rappelle que nous avons un reporter... à la maison du défunt, dans la cour familiale, il nous fera prévaloir l'ambiance en ce moment qui règne au sein de la famille. On espère qu'on pourra avoir des témoignages assez forts pour partager ces témoignages avec vous, chers téléspectateurs. Chantre Léa, Pasteur Guy, qu'est-ce qui vous reste de Germain Kuiper? Quand vous entendez Germain Kuiper, quelle est la première image qui vous arrive sans réfléchir, de façon aussi la plus spontanée qui soit? Moi, oui. C'est vraiment la question. Oui. Moi, je ne crois pas encore. C'est que je suis dans une bulle. C'est difficile. Chaque fois, j'ai l'impression. C'est que donc j'ai mis la mort là, c'est comme ça, de là à là. Je n'ai pas encore réalisé qu'il est parti aussi brutalement.
Parce que dans le milieu, tout le monde sait que c'est mon meilleur ami. Ça fait 19 ans qu'on est meilleurs amis. 19 ans. 19 ans, depuis, on va dire... Quel a été l'objet de votre rencontre? Comment ça s'est fait? C'était lors de l'émission de Tonnerre, d'Alois. Il venait fraîchement de se marier. À l'époque de l'arbre de David. Oui, à l'époque de l'arbre de David, il venait fraîchement de se marier. Il s'est marié un hein, 1er novembre 2003. Et puis, dans la foulée, là, dans les mois de décembre, il était just married. Okay. Donc, je me souviens qu'il a porté son habit de... traditionnel de mariage, là. Mm-hmm. C'est ça, il a porté sa suite. Ouais. Voilà. Donc, à Dalois, là-bas, moi, j'étais avec les filles. Parce que comment on va dire... moi, c'est facile de m'approcher. Parce que moi, je pose facilement, je l'approche facile. Ouais. Donc, quand il s'est approché de moi, il dit, moi, je vais être ta camarade, je vais être ami avec toi. C'est comme ça, il m'a dit. Ah ouais. Ça m'a fait... Il a dit, il n'y a pas de problème. Ouais. Tous les jours, c'est qu'il le dit à qui veut l'entendre. Esprit même, là-bas, on s'appelle Esprit. Et il a dit, vois clair, toi, tu vois clair. Moi, on s'est dit, toi-même, tu vois clair aussi. On s'est dit, un esprit ne meurt jamais. Ouais. Un esprit, là. C'est-à-dire qu'on dévance, les pensées des gens. C'est comme ça qu'on s'est surnommé esprit. Et depuis la RTI, il y a longtemps, tout le monde sait qu'on s'appelle comme ça. Donc, on est resté comme ça. Les gens, au début, étaient sceptiques, camaraderie, garçons avec femmes. Ça, là, ça existe. Mais on m'a dit, moi, j'ai eu la chance de fréquenter avec des hommes où j'étais la seule femme de ma classe. Moi, je suis habituée à... aux compagnies masculines, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment mon jumeau raté. Je lui disais, je suis sa version féminine. De toute façon, il lui dit les gbè, là. Moi, il dit les gbè aussi. Ouais. Et puis, on s'entend. Ouais. Il dit, c'est Esprit qui me dit la vérité. Donc, quand il y a quelque chose, on dit, va voir ton type, là. Il faut lui dire. Quand il finit de lui parler, il dit, c'est vrai, Esprit. Tu as raison, ça le calme. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'on a mis une semaine. Il n'y a pas un jour, on ne se parle pas. Ah, Esprit, on peut m'appeler à 6h20 ou bien à 3h30. Ça veut dire que. Il n'y a pas d'heure. Pas d'heure. D'ailleurs, en fait. Lui, c'est nos limites, je vous en prie. Lui, il n'a pas. Il dit, mais laisse-moi dormir. Il dit, non, il va te dire un truc. Mais c'est tu as réel. Lui, il s'en fout. C'est qu'il veut faire, il fait. La dernière fois que vous êtes parlé. Ça fait une semaine. Vous êtes dit quoi c'est... Ça fait une semaine. En fait, ça fait une semaine. Vous savez que mon dernier coup de fil avec Esprit, c'était le vendredi. Vendredi, et puis lui, il est décédé le vendredi. Vendredi, je lui ai trouvé un. Bon, on va dire. Un gombo, il me trouve, je lui trouve. Mais lui, il trouve plus que je ne lui trouve. Mais c'était, on devait aller à Toban. Et puis, à la dernière minute, moi, on m'a enlevé dedans. Il dit, comment ça, Esprit? Toi, tu peux trouver un gombo et puis on t'enlève dedans. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Il dit, Esprit, c'est pas grave. Ce qui est pour toi et pour toi. Ce qui est pour moi et pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas grave. Tiens, le numéro de la dame, enfin, si c'est à Toban, j'ai indiqué. Il dit, Jean, lui, il arrive, là, il va aller faire par là. Pourquoi on m'a enlevé dedans? Il dit, non, il faut laisser. Tu connais ton type. Donc, c'est notre dernier coup de fil là. Ah. Quand il a fini, il ne m'a pas appelé pour savoir comment ça s'est passé. En fait, la semaine, là, je ne sais pas que c'est que je suis occupé, il est occupé. Ah. On ne s'est même pas bipé jusqu'à ce qu'on m'appelle à 19h le vendredi. Roland Loi, le chanteur Roland Loi. Allô, tu as des nouvelles de Kuiper? Il dit, oui. Il y a longtemps, on ne sait pas. J'étais perdu d'abord. Il dit, non, j'ai appris qu'il aurait fait un accident, quoi. Il dit, bon, c'est bon, coupe, j'appelle son épouse. J'appelle sa femme, elle dit, effectivement, il a fait un accident, mais pour la suite, là, elle ne sait pas dire. C'est que si toi-même, tu dis qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc maintenant, on passe par tous les moyens. Après, Ounel Mala m'appelle à 23h. Tu as les nouvelles de Kuiper? Elle dit, on m'a dit qu'il a fait un accident, il est dans le coma. Pour moi, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il nous a déjà fait ce coup-là? Ou il a fait un accident? Oui. Il a fait un accident, puis on dit qu'il était passé pour moi. Après, il s'est réveillé. Mm-hmm. Bon, moi, peut-être, je me dis, c'est même chose que moi, je n'ai pas encore vu de mes yeux, comme on le dit. Moi, je ne peux pas croire. À 1h du matin, Pasteur Guy m'appelle maintenant. Il dit, ils sont chez lui à la maison. J'entendais des chants, j'entendais des pleurs. Donc, nous tous, on a convergé là-bas, séance tenante, jusqu'à 4h du matin, comme ça, on s'est séparés. Mais le lendemain, on s'est retrouvé à Yves Ossep. C'est lui qui me donne les nouvelles. C'est lui qui est le secrétaire général de l'organisation des obsèques. Il dit, à 17h30, le corps arrivé des esprits, il y a une corps. Esprit, ah! Moi, je vais aller voir aussi, parce que je ne crois pas. C'était difficile, mais il fallait, j'avais besoin de voir mon frère, quoi, en fait. Ouais. Donc, quand ça arrivait, on dit trois personnes. Il dit, ah, parce que dans trois personnes, débrouillez-vous, moi, ici, dedans. Ils ont voté. Bon, il y a son épouse, évidemment. Et puis, bon, la première des garçons. Mais j'ai tout fait pour créer une deuxième vague de trois personnes. Ouais. Il m'a dit, voyez, Esprit qui est couché. Tu fais quoi ici, Esprit? Esprit, tu fais quoi ici? Donc, c'est vrai. Je ne savais pas quoi dire. Jusque-là, donc, c'était vraiment insoutenable. Là, je n'ai pas pu me contenir. Parce que le premier jour, je n'ai pas pleuré. J'ai dit, c'est faux. On va mourir brutalement comme ça. Ouais. Ça me... Condoléances. Condoléances et...
comme on le dit communément en Afrique. Oh. Yako, Yako Léa, Yako Léa. Pasteur Guy, oui. De l'accident au décès de Germain Kuyper, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? D'abord, le 11, le vendredi 11, c'est le jour de mon anniversaire. Ah. Je suis né à 11, donc je revenais de l'église. Donc, dans la voiture, j'ai mis ma musique à fond. Moi-même, ma propre musique à fond. Et je conduisais, je chantais. Et puis bon, c'est comme un résumé de ma petite vie, de là où j'étais. Aujourd'hui, j'ai un an de plus. Et puis du coup, j'ai un coup de fil. Daniel Norté m'appelle, il me dit, voilà ce qui se passe. Kaika, il a eu un accident sur la voie d'Abangourou. Mais on ne sait pas ce qui se passe. On le cherche parmi les blessés. En fait, il m'a fait un résumé vague. Mm-hmm. Non, on dit que voilà, il y a 18 blessés. Mais là, on ne voit pas Kuyper. On ne sait pas s'il est parmi les blessés. S'il y a une ambulance, je dis, mais de quoi tu me parles? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je dis, pas mon frère. Donc du coup, je me suis rangé immédiatement je me suis garé. Et puis, j'ai commencé à appeler. Et dans mes appels, j'ai appelé Elio Yedou. Mm-hmm. Mais avant ça, j'ai commencé à appeler les autorités, parce qu'on dit à couper, mm-hmm. qu'ils ont été amenés à couper. J'appelle les autorités, j'appelle son manager qui était avec lui. Et personne ne veut répondre, en fait. Et c'est comme ça qu'on nous dit, il y a 18 blessés, il y a plus de 18 blessés, mais il y a 2 morts. On sait que l'apprenti, il a été identifié, mais le deuxième, on ne sait pas c'est qui. Donc jusqu'à 20 heures, c'est des balades partout. Le commandant de garde, des amis, il faut passer par les corps habillés, il faut passer par ceci. Et puis bon, c'est comme ça que j'ai la confirmation d'un corps habillé, un commissaire que j'ai appelé, qui m'a dit effectivement, soyez fort parce que le deuxième corps, les gens disent que c'est un chantre et qu'il était assis devant et tout ça. C'est Germain Kuyper. Bon, j'étais dans mon salon. Justement, tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez? Oh là là, j'ai failli casser la table de choses. J'ai failli casser la table de choses. La table centrale. Oui. Mon épouse l'a enlevée. C'est les coups de poing dans le fauteuil. C'est pas possible. Vous voyez? Et donc. De là où on m'a dit l'accident, jusqu'à dans nos recherches. C'est comme ça qu'on m'a dit que c'est Germain Kuyper et il y a eu confirmation. Mes frères, c'est... Ouais. C'est difficile. Ouais. Ouais. Et on le voit, on le sent, on le ressent personnellement tout de suite. Pour vous permettre de respirer un tout petit peu, nous avons, on l'a dit d'emblée dans cette émission, dépêché un reporter qui se trouve en ce moment même dans la cour familiale du défunt. Yann Cédric est en ligne en ce moment. Est-ce que la régie peut nous permettre de l'avoir? Yann Cédric, bonjour, j'espère que tu nous entends. Je crois qu'il est dans les environs de Kumasi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce que tu te trouves et comment ça se passe là-bas? Bonsoir Rivema, bonsoir à toute la team qui polémique. Nous sommes présentement à l'immeuble de Germain Kuyper. 4 jours après son décès aujourd'hui, mardi, on a décidé de venir rendre visite à la famille, s'enquérir des nouvelles, savoir comment les choses se passent, histoire d'avoir le programme et la suite des événements. Donc avec le cadreur, on va tout de suite se rendre au domicile du défunt pour s'enquérir des nouvelles. On va rester en ligne avec Yann Cédric, le suivre. Il est en train de faire son entrée dans l'immeuble du défunt. On rappelle que c'est à Kumasi, quartier Fanny, pour être plus précis. Il est dans la main courante. Il aura l'occasion, bien sûr, de nous passer certaines personnes, des parents, pourquoi pas, si possible, on espère, la défunte, vraiment, si possible. Dans tous les cas, nous continuons à échanger avec vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas, si vous avez des témoignages, des messages, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. D'ailleurs, depuis l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux, ça a été l'émoi total.
des réactions qui fusaient un peu de toutes parts, n'est-ce pas, Désiré ? Justement, il y a eu plusieurs réactions, personnellement, au niveau du public de manière générale, mais aussi des chantres. Il faut dire qu'on on a observé pas mal de réactions au niveau des chantres. Ouais. Il y a Boniface ou chantre Boniface, le groupe Eden, plusieurs, même Onel Mala aussi, qui a fait un post. Anomira, ils sont plusieurs à avoir rendu hommage à Germain Kuiper. Dans un premier temps, il faut accuser le coup d'abord. Il y en a qui ne croient toujours pas comme il y a sur ce plateau, mais après, avec le temps et tout ce qui se disait aussi sur les réseaux sociaux, après avoir effectué 2 ou 3 appels, on finit par comprendre que c'est malheureusement une réalité et chacun y va de son poste. Revisitons justement ces différentes sorties de célébrités, de chantres qui ont d'une façon ou d'une autre témoigné leur intérêt pour la personne de Germain Kuiper. D'abord le groupe Eden avec une sortie qu'on va justement apprécier par le truchement de la régie, si la régie le permet. Le ciel s'est assombri, papa Germain Kuiper, les chantres de Côte d'Ivoire te pleurent. Ouais. Avec le cœur brisé, bien sûr. La sortie du chantre Boniface, Manu a été dur, tu sais que je t'ai toujours défendu, même dans les pays, quand on te manque de respect, car tu es un pionnier. Tu m'appelles ton défenseur, je veux toujours te défendre, mon frère. S'il te plaît, Pasteur Guy, avec Ellie, nous sommes en pleurs depuis hier chez toi à la maison. L'ancien, ne nous fais pas ça. Tu es parti en servant ton Dieu. Que va dire Bonnie ? Arrête, allons chanter. Qui va dire Bonnie ? Arrête, allons chanter. C'est un petit truc. Allons vite, vite. Je t'attends, le lion, mon défenseur. Je réponds à cause de... Ainsi de suite. C'est ça. C'est un message qui vous interpelle. On vous a entendu réagir, Pasteur Guy, parce que c'était... Oui, et quand... Bonnie, l'histoire de mon défenseur, c'est un truc qui s'est passé au Cameroun. Mm-hmm. Ils étaient au Cameroun sous invitation. Et puis, il y a eu une situation où Bonnie a donné sa poitrine pour défendre Kuiper. Vous savez, le métier qu'on fait en tant que chanteur, même artiste, on peut, par circonstance d'invitation... On peut se retrouver dans le même hôtel avec un artiste qu'on ne fréquente pas en Côte d'Ivoire. Bon, par exemple, je me suis retrouvé dans un pays avec le Papa Go, dans le même hôtel. Donc, pendant le séjour, on était obligé de cohabiter. Par exemple, à Ouaga, j'étais avec Ankadeka, presque côte à côte. Et c'est pourquoi j'ai dit aux chanteurs et aux artistes en général, on est obligé de s'entendre. Parce qu'on peut se retrouver un jour au Kenya dans la même maison. Et c'est dans cette situation que Bonnie a défendu. Tu étais là. Il a défendu Kuiper. Et du coup, c'est resté mon défenseur. Parce que Kuiper. Bonnie était très fâché. Voilà. Avec chaque artiste, il y a un petit code. Il avait ce truc-là en lui, cette expression volubile qui lui permettait de prendre parti, de défendre, de se sentir impliqué dans chaque cause qui ne le concerne pas forcément. En réalité, vous allez bien le constater, Germain en réalité n'a pas eu de manager jusqu'à ce qu'il meure. Pas de manager. Voilà. Il a refusé d'en avoir. Il n'y a pas quelqu'un qui répond de lui, à part lui-même. Ah ouais. Oui. Il a fait quoi un manager, est-ce Voilà, il n'a pas quelqu'un qui répond de lui. Il va bouffer mon cadeau, c'est moi mon appel. Il est devenu célèbre par lui-même. Ouais. Par ses propres efforts. Il rentre partout. Voilà, sans s'arrêter. Il rentre partout, il s'entend avec tout le monde, il fait palabre avec tout le monde. C'est-à-dire que quand c'est bleu, il te dit c'est bleu. Ça veut quoi? Donc, en réalité, quand vous voyez des gens derrière lui, il dit « Ah, c'est ton nouveau manager », il dit « Non, c'est mon protocole. » C'est plutôt son protocole. Donc, il n'a pas de manager. Il se fait suivre par quelqu'un, c'est pourquoi on prenne ses images. C'est lui qui discute, c'est lui-même, il est lui-même. Mais très souvent, il n'était jamais seul, que ce soit tu l'aperçois dans la rue, il est toujours accompagné. Et on a l'impression qu'il est toujours accompagné. Mais jamais il peut t'appeler à 6h du matin, comme elle disait. Ah, bon, d'accord. À 6h du matin, il t'appelle, dit où ? Autant qu'il aime trop dormir, j'arrive chez toi là-bas tout de suite. À 6h. Je suis couché. Lui, il n'a pas d'heure. Il dit, mais jamais je suis couché. Il dit, j'arrive là-bas tout de suite, on va dans le taxi tout de suite. Quand j'habitais Kumasi, on était côte à côte, on partait à San Pedro. À 3h du matin. Ouais. Esprit ! Moi aussi, j'étais au 3e étage. Maman dit,
Mais on sort une offre, là, voyez ton truc, il faut descendre là-bas. Il faut venir partir, il faut qu'on arrive à 9h, qu'on finit et faire la prestation, on reprend. Hôtel, on nous a donné, on n'a pas de dedans. 3h, non. Lui, à 10h, il doit acheter dans une église, et puis de 10h, il doit aller dans une autre église encore. Donc, c'est vrai qu'on est venu chercher quoi à Saint-Pédo ici. Ouais, on a quitté Abidjan à 3h, arrivé à Saint-Pédo, on a fini la prestation, on a quitté là-bas à 3h aussi. Au fur et à mesure, on s'en va, le soleil s'élève. C'est un personnage assez sympathique. C'est ce qu'il a décidé, là, tu as fait. Nous avons la chance d'avoir en ligne. Un de ses pères spirituels, le pasteur Agé. Ah oui, ah. Certainement. Ah. Le pasteur Agé, c'est le pasteur Agé qui a mis Jemmé dans la musique. C'est ça. Ouais. C'est le pasteur Agé. Il est en ligne en ce moment depuis le Canada, je crois bien. Il nous rassurera. Bonsoir, bonjour, pasteur. En tout cas, bienvenue dans cette émission à Pipolémique et on est très heureux de cet hommage que vous allez nous porter à l'intention du défunt, votre fils, tout simplement. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme et de son parcours, tout simplement? Bonjour, je suis le révérend pasteur Agé Beira Christophe. Je réside désormais au Québec, donc au Canada. Et ces deux jours passants, j'ai eu l'écho du voyage céleste de mon fils bien-aimé Kuiper Germain. Je crois que c'est un mal touchant à tout un chacun. Cependant, c'est un voyage où on n'a pas le choix. Et je parle ce matin pour dire que je bénis Dieu pour tous ceux qui ont eu la grâce de le côtoyer, de l'encadrer, de le soutenir, de le former. Cependant, j'atteste ce matin que c'est une faveur pour moi de faire de Germain un chrétien baptisé dans les années 89, invité par le jeune frère Okeiji, qui est aujourd'hui pasteur, à une de nos réunions de prière. Il a accepté le Seigneur, il est passé par les eaux du baptême au travers de mes mains, et puis ensuite, il a commencé à m'accompagner dans les temps de chant et de louange comme au tempo, à la ITI. Il a apprécié, il dit « Papa, je veux faire comme toi, je veux chanter comme toi, je veux louer le Seigneur. » J'ai dit « Ok, reçois l'onction puisque ça se transmet de père en fils. » C'est ainsi qu'il a commencé sa carrière de chanteur. Et aujourd'hui, il est une renommée, je peux dire international, parce que Kuiper est la joie des cœurs, Kuiper est la paix des cœurs, Kuiper vit en Jésus, vit pour Jésus. Et ce matin, je dis juste un mot pour dire merci à la nation qui s'apprête à rendre hommage à ce fils bien-aimé, un enfant de joie, un enfant de paix, un enfant de bonheur. Kuiper est un fabricant de joie. J'ai toujours dit aux uns et aux autres que si nous nous chantons pour gagner les âmes. Et je bénis Dieu parce que le ministère que j'ai a pu gagner cet enfant. Et aujourd'hui, il est auprès du Père parce qu'il partait à un programme de prière, il partait à une veille de prière, il est tombé les âmes à la main, il est tombé au front. Je ne peux que dire merci au Seigneur, même s'il y a des douleurs qui se font ressentir. Cependant, je suis content parce que Kuiper a pris le chemin du ciel. Témoignage émouvant de pasteur Agé, qu'on reconnaît, qu'on a eu plaisir à suivre sur les scènes à travers les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne et qu'on retrouve aujourd'hui malheureusement à travers cette situation. Élie, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant cette filiation entre le pasteur Agé et Germain Kuiper? Ah, mais le pasteur Agé, il avait sa petite église à Bobo, à l'avenue Casa. Okay. Il avait une église qui pouvait prendre à peu près 200 personnes. C'est là-bas que Annie Apata, je ne sais pas si vous la connaissez, Annie Apata. Annie Apata et Germain étaient des chanteurs de cette église. Mm-hmm. D'accord. Soit Germain, soit Annie Apata. Et il y avait des musiciens, des apprenants. Nous tous, on a essayé d'aller nous frotter à ces personnes-là parce qu'à un moment donné, dans l'apprentissage de la musique, on créait des fights. On était sensiblement dans les années 90, non? Oui, certainement 92, 93. Ok. Voilà, 90. On était autour de ces années-là. Okay. Donc, il y avait des fights, donc il fallait chercher ton concurrent direct. Quand on te dit qu'il y a un gars qui joue très bien à la basse, tu cherches à le côtoyer pour le frapper. Voilà, frapper. Pour dire que tu es supérieur à lui. Et puis, il y avait des grands frères comme Josué Guébo, ah, oui. Docteur Josué Guébo, oui. Et qui étaient
Eux, c'était nos devanciers. Hein, Timothée, Guébo, c'est eux-là qui nous tiraient. Ouais. Mais nous, on était dans la concurrence. Non, c'est comme ça qu'on quittait nos églises. Et puis, on venait rencontrer une équipe performante qui était dans l'église du pasteur Agué, où il y avait Germain Kaipe, grand chanteur. Il y avait Ania Pata, grande chanteuse. Donc, on partait là-bas. Puis, on essayait de... À un moment donné, on est devenu vraiment très liés. On ne pouvait pas faire une journée entière sans se voir. Pendant qu'au début, on était peut-être à des centaines de... De francs Non. Non, à l'époque du pasteur Agué, c'était zéro franc. C'était zéro franc. C'était 55 francs. Après, c'est devenu 500. Mais attends, tu ne peux pas t'acheter une guitare. Vous comprenez? Tu n'as pas les moyens d'acheter une guitare. C'est pourquoi ça. Une guitare bien usée, c'est compliqué. Tu peux pas t'acheter une guitare. Tu n'as pas Internet comme les gens aujourd'hui. Ouais. Donc, tu peux t'acheter une guitare. La seule occasion d'avoir un instrument, c'est à l'église. Or, le pasteur, il a mis ça à disposition gratuitement. Mm-hmm. Donc, ton apprentissage, en réalité, est gratuit. J'ai une scoop qu'à l'époque, on vous appelait les bailleurs, c'est vrai? Oui, le thème. Vous étiez tellement à fond dans votre... Ça existait à l'époque, les bailleurs. Je ne sais pas, j'ai c'est le scoop que j'ai eu. Oui, bailler, c'est jouer. Oui. Donc, on est des bailleurs. Oui, mais à l'époque, on est dans le début des années 90. Oui, c'est ça. On a créé des mots. Ah ouais. Hyper dur jusqu'au jour. Pourquoi vous étiez des... Parce qu'en réalité, nos parents n'étaient pas toujours fiers de nous voir laisser les études pour aller chercher à apprendre à jouer à la guitare. Ouais. Donc, quand ton ami arrive là et que tu es sur la table d'études, comment il te passe ce message? Il dit, on va gbaïer. Hein. D'accord, c'est un code. On va gbaïer, on a un oui. Hein. Okay. Donc, le jeu, il est là, il ne sait pas que tu vas jouer à la guitare. Moi, tu vois qu'on baille Germain. Et Germain, lui, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui connaît toutes les églises qui se créent. C'est lui qui connaît tous les nouveaux pasteurs qui naissent. Donc, c'est lui qui va vous conduire, mais partout. Vous jouez. Ouais. C'est lui. Ouais. Tu vois où il avait la cartographie. Pas pour rien qu'il est le manager. Il était le bishop des chantres. Comme Et puis, depuis qu'on est petit, c'est le costume. Justement, il y a une chose, c'est fondamental et on ne saurait passer sous silence cet aspect de sa personne. Et je m'adresse en particulier à Léa qui l'a côtoyé, mais vraiment, qui a une certaine proximité avec l'homme. Germain Kaipe, c'était avant tout les beaux vêtements. Les grosses cravates, surtout. Oui. Sous le soleil, tu vois. Hein. C'est pas forcément qu'il va en gombo. Hein. Ça, c'est son habit de tous les jours. Il ne sait pas sur la rue si quelqu'un va l'appeler pour un gombo. Mais lui, il peut avoir mariage un lundi. Hein. Il allait chanter dans mariage lundi. Il dit, oui, mais lundi aussi. Non, on m'appelait pour un truc rapide. Là. Lui, il a touché au gombo en semaine. Il y a un qui s'est marié à quatre. Lui, il mange partout. On l'appelait le mannequin de l'éternel. C'est le papa Serge Fatou qui l'appelait comme ça à midi première. Ouais. Il était allé pour présenter un spectacle. Ouais. Et puis, il était tellement bien vêtu. Il dit, mais tu es le mannequin de l'éternel. Et finalement, c'est resté. Mais ses cravates, c'est M. David Mobio qui les nouait. Ah bah. Voilà. David Mobio, Serge Fatou et Lingan, la transition est... Et il est le neveu de Barthélémy Inabo. Justement, que nous avons d'ailleurs en ligne, comme par enchantement, Barthélémy Inabo, d'ailleurs, qui fut son premier producteur. On apprend des choses. Et lui, également, il est touché par cette disparition et il nous livre tout simplement son témoignage. Papa, cher aîné, bienvenue à la maison. Quel est le témoignage que tu pourrais porter sur la disparition et sur la vie de ton fils Germain Kaipe? On est impatient de t'entendre. J'ai beaucoup de mal à parler de Germain Kaipe au passé parce que c'est la mort d'un enfant, d'un jeune qui était la fleur de l'âge et qui est parti comme ça dans un accident de la circulation. Alors mon histoire avec lui commence au studio Balafon à Yopougon en 99 quand on a monté le studio. Germain faisait partie des chanteurs avec les sacolos qu'on a produits. Et comme il a rappelé Diabo la dernière fois, c'est en 1999 qu'on a fait Talei au studio Balafon avec Kako Noré et tous les autres intervenants. Ensuite, il est parti. Alors comment je l'ai retrouvé? Son père, qui est Kipri Jackson, est un de mes promotionnaires. Il est chef du village de Moubregui à Issia. Et c'est lui qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, écoute, j'ai un de mes fils qui chante. Donc je vais te l'envoyer et puis tu vas voir ce que tu peux en faire. Et c'est comme ça, il est venu. Il m'a dit, non, lui, il chante. Bon, dans ce temps-là, ça ne marchait pas beaucoup pour le chant. Mais on lui a dit, bon, mais comme c'est le fils à Jackson, donc notre fils, on va essayer. Et puis,
par sa volonté, par son travail, par son abnégation. Et l'album a marché. Et puis après, il a fait son petit bonhomme de chemin dans les églises, etc. Et sa mort rend malheureux son papa, que j'ai pas eu le courage de voir la semaine dernière parce que j'étais à Issia. Et sa maman aussi, je pense que ses amis, nous tous, nous allons prier pour le repos de son âme. Et je souhaite beaucoup, beaucoup de courage à sa femme, à ses enfants et à ses amis chantres pour qu'il puisse l'accompagner dignement à sa dernière demeure. Nous y serons. Et je pense que je ne vais pas beaucoup m'éterniser parce que je n'ai pas envie de parler encore de Germain au passé. Merci. Merci, papa Barthélémy Nabo. C'est fort tout ça. C'est fort, c'est fort. C'est incroyable. C'est il n'a même pas le courage de voir son père. Parce que, voilà, c'est comme son fils aussi. Kuiper, voici quelqu'un aussi qui tend toujours la main à la nouvelle génération. En termes de génération, dans la chanson, dans le ministère de chant, Kuiper est un dévancier. Sûrement, c'est en 2006 que j'ai sorti Je suis dans la joie. Ouais. Et quand il m'a rencontré, on s'est vu. Il dit, toi, ta chanson, là, c'est bien. Accroche-toi à moi. Tu veux te faire connaître. Tu ne me connais pas. Je te connais. On m'appelle Kai Kai. Voilà. Et c'est Kai Kai. Et qu'est-ce qu'il fait? Mm-hmm. Partout où il doit jouer, mm-hmm. il m'appelle. Kuiper, c'est le genre de personne qui, peut-être, excusez-moi, mm-hmm. tu es à la maison, mm-hmm. t'es moisi, quoi. Mm-hmm. Un samedi, tu es là, on ne t'a pas appelé, tu n'as pas de combo, tu zappes la télé. Mon téléphone sonne, c'est Kuiper. Il dit, mon frère, il dit, oh quitte là, je suis ton frère, non mm-hmm. Il dit, oui, tu es mon frère. Dieu te bénit, dis amen. Voilà. Il dit amen. Il dit, bon, lève-toi, il y a un mariage, 150 000, chaud. Mm-hmm. Lève-toi. Et puis je m'en vais, me donne 150 000. Quand je finis de jouer, il dit, oh Joe, il y a la rentrée des enfants, hein, on fait comment, c'est mm-hmm. ça. C'est rare. Je vais enlever c'est dedans. Rare, surtout. Ça, c'est oui, c'est rare. Je vais enlever dedans pour dire, comme c'est toi qui as fait, mm-hmm. je lui donne les 30, tu dis quoi, t'as donné quoi, puis faisons ça. Voilà pour moi ici, mm-hmm. allons-y. Waouh. Wow. Mm-hmm. Wow. C'est comme ça. Il a fait connaître tout ce qui est nouveau dans le gospel. Il n'y a pas hein. quelqu'un qui va dire. Dès que quelqu'un sort mm-hmm. son nez, je dis en termes de, mm-hmm. de promotion dans le gospel, lui va te récupérer. D'où lui vient cette fibre? C'est sa grande générosité. C'est comme ça. Il est... ça d'après lui, il dit il est altruiste. Il dit Il dit, maman, elle fait l'ethmo. Donc, il fait sortir un gros mot, bien un grand mot. L'ethmo. Il dit, tu as dit quoi? Tu as dit quoi même? Toi, il dit, maman, elle fait l'ethmo. Oh, il dit, lui, il est altruiste. Altruiste. Avec l'accent anglais, le ton anglais. Retournons à Koumassi Fani dans son immeuble avec sa famille. Je crois que Yann Cédric y est toujours. Il est en ce moment, si on peut le voir, en pleine concertation avec la famille du défunt. Oui, j'espère qu'on aura d'ici peu l'occasion d'avoir quelqu'un ou quelque chose, ou ne serait-ce que pour soutenir ce plateau et cette émission. Quelque chose à ajouter? Justement, parce que cette disparition fait encore plus mal, parce que nous avons un chantre qui fait partie des piliers de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire. Il a même célébré ses 20 ans de carrière en 2019. C'était fait. Au niveau de Yopour. Il était soutenu par pas mal d'artistes de différentes générations surtout. Et là, il se murmurait comme ça qu'il devait attaquer l'étape du Palais de la Culture pour un autre spectacle, pour encore se célébrer. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir Germain Kuiper au Palais de la Culture, malheureusement. Ça nous fait tous mal. Mais il faut retenir aussi qu'il a vraiment, vraiment tendu la main à plusieurs générations, puisque toutes ces chansons ont été interprétées par des, non seulement à l'église, mais aussi par de jeunes chanteurs aujourd'hui qui font la fierté de la musique ivoirienne. Donc c'est toute cette transmission qui a été faite. Donc je pense que déjà, il faut dire que cette carrière est toute réussie. Ouais. Jamais, il a déjà fait le Palais de la Culture, mm-hmm. une fois. Une fois, voilà. Et donc en cette fin d'année, là, il fallait que m'appeler. Mm-hmm. Ah, toi, il est là. Mais il t'appelle à 5h30. Ah bon, d'accord. Toi, il est là. Donc, toi qui organises le concert des enfants là au Palais de la Culture, et il y a du monde comme ça, puis tu m'oublies, tu me laisses tomber. Cette année-là, tu dois faire mon concert. Mm. Tu dis, mais si on doit faire ton concert, tu viens, puis on en parle.
On va voir comment est-ce qu'on va te faire une chanson qui va remonter là. Et maintenant, on va attaquer le palais. Il va faire 23 ans de carrière. Il va faire le palais. Tes amis font 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Quand tu as fait 23 ans. Dieu, est-ce qu'il laisse ça? C'est l'amorce de 25 ans. Et cette année, elle dit qu'il va faire 23 ans de carrière. Alors, Léa, toi qui étais si proche de lui, est-ce que c'est quelque chose que tu as pressenti? Généralement, on dit, je le sentais, j'ai reçu quelques signes. Est-ce que ça t'est arrivé? Bon, sincèrement, la mort comme ça, non. Mais j'ai vu qu'il a fait 3 accidents. Ça, c'était le troisième, en 2 mois. Deux mois. Tu as vu ces accidents-là avant qu'il... Il m'a envoyé une vidéo un matin dans mon WhatsApp. Sa voiture était cabossée par devant. Moi, je me dis, moi, c'était pour montrer que ma voiture est gâtée. Hein. Il a fait accident. Et puis, il a fait la vidéo, sans montrer son visage. Mais... Deuxième fois, il était avec un pianiste, Jamal. Peut-être que tu le connais. Ils ont fait accident sur la route de Sassandra. Ils ont failli y passer. Mais j'ai pas pensé que... C'est-à-dire que j'ai pas pensé. C'est passé déjà une semaine sans s'appeler. C'est comme si il m'a blagué, il est dormi, puis il m'a réveillé, il est parti. Est-ce que ça vous arrivait justement de ne pas vous parler pendant un moment comme ça? Non. Est-ce qu'on peut s'appeler... On peut s'appeler 1000 fois. On va dire 1000 fois, c'est pour exagérer, mais 1000 fois par jour, il n'y a pas d'heure. La dernière fois que je l'ai vu... Mais 2 jours, toi, tu ne m'appelles plus. Tu es du quoi même? Attends. La dernière fois que je l'ai vu, c'était justement avec Léa, dans un restaurant. Oui. Je sortais en général, quand il me voit, il m'attrape pendant au moins 5-10 minutes. Il va me tenir comme ça, comme. Et puis il va me parler. Oh, toi, mais tu veux dire quoi, Benet, tu es devenu grand producteur, donc tu veux dire quoi, donc tu es qui, mais plus bon. Ah, ça, c'est moi, ça. Mais cette fois-ci, il m'a dépassé. On s'est dépassé, c'est qu'on ne se connaissait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. On s'est vu. Non, lui, moi, sortait, je sortais. Non, on venait. Eux, ils rentraient. Et puis, vous n'êtes pas vu? On s'est fait un signe. Il a salué. On s'est fait un signe normal et puis on s'est dépassé. C'est pas possible ça parce que vous avez grandi ensemble. On partait derrière quelqu'un, on voulait être sûr que la personne était là. Vous étiez très pressé en fait. Non, ça veut dire que nous on partait croiser un vieux père, on voulait être sûr que le vieux père était là. Parce qu'il nous a dit, bon, expliquons, quand on rentre, on va commencer à chercher. Donc lui il était cherché déjà, il t'a vu, il était salué vite pour être sûr que. On a fait comme ça. Il a tout fait pour dénicher le monsieur la nuit là. C'est incroyable quand même. Richard Crémé, oui, je crois que nous sommes en direct en ce moment et on est suivi par tout le monde. Et les chantres ont envie de réagir, ont envie de témoigner. Oui. Ils se sentent impliqués d'une façon ou d'une autre. Et on a cet appel de Richard Crémé qui est en ligne. Richard, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau, tu es à la maison, pas besoin de te le répéter. Qu'est-ce que tu pourrais dire au sujet de Germain Kuiper? Comment tu l'as connu et qui il est pour toi, véritablement? Shalom, shalom. Je suis votre serviteur, le chanteur Richard Crémé. Il faut dire que certaines personnes, en tout cas moi, me concernant, je ne l'ai jamais vu se fâcher. Peut-être que c'est fâché ailleurs, mais me concernant, chaque fois que je l'ai vu, j'étais toujours jovial, toujours taqué. C'est quelqu'un, il ne se plaignait pas. Au fait, moi, il l'ai même vu comme ça. Et il y a une anecdote que je vais raconter, c'est qu'on s'est retrouvés ensemble le vendredi, je suis passé à Bassam, chez un prophète pour un programme. Et comme je vends les t-shirts que je confessionne, c'est Jésus le meilleur et autres, il a vu le t-shirt dans la main de mon manager et il dit qu'il voulait un t-shirt. Et on lui a donné le prix, il a pris le t-shirt, il dit je ne paye pas. Il faut dire à Richard que je ne paye pas. Et ça a considéré que je suis arrivé et il m'a dit non. Ricky, j'ai pris un t-shirt, hein. Ça c'est mon offrande, c'est l'offrande du bishop des chants. Il dit il n'y a pas pour vous prendre. Pardon, moi je sais que tu n'as pas m'envoyé, pardon. Mais est-ce que le tueur va te rentrer avec le ventre que tu as devant? Et puis on a rigolé. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé. Et normalement, ce samedi 19 février, on devait se retrouver au stade universitaire de Kourouji pour un festival de la musique chrétienne, gospel. Et voici que le Seigneur l'a appelé auprès de lui. Je profite de cette vidéo pour dire à quelqu'un que tout être vivant est appelé à mourir. Nous sommes tous appelés à mourir. Le tout n'est pas de mourir. Comment mourir n'est pas le problème. J'ai pour l'habitude de dire, il est impossible d'éviter la mort parce que la mort est le rendez-vous de tous les vivants. Cependant, il est possible d'éviter l'enfer en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur parce que Germain Kuiper avait pour Seigneur Jésus. Voilà, donc pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, le meilleur moyen, le bout du moins, la seule option pour avoir la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fortifie, que Dieu nous garde. Shalom. Amen, j'ai envie de dire, à ce propos, à ce témoignage édifiant de Richard Crémé. Ouais, une disparition aussi brusque. Oh. C'est le t-shirt de la main qu'il avait porté le dernier jour, lui et moi, on s'est vu. Oh. On s'est retrouvé, on allait discuter avec un mécène là, par rapport à un projet. C'est ça, il l'avait porté. Puis le monsieur a aimé, il dit, mais lève-toi un peu, je vais voir.
Moi, je ne peux pas mon ventre, ça peut te rentrer. On peut écrire ton nom dans le dos. Il n'y a plus ça chez Jacques, lui. Ah, il a fait la pub en même temps. Oui, il a fait la pub, le monsieur dit, il voulait aussi. En matière de pub, là, ouais. Kuiper. C'est ce qu'il avait porté. Oh, il était venu me dire adieu comme ça. Le jour là, il est arrivé, il dit, attends, il me lave. Je lui ai dit, on connaît ton lave. Tu as fait combien de temps? Donne-moi 30 minutes. Je sais que si je m'en vais, si tu finis, il faut m'appeler. Il allait tourner. Lui, il va s'asseoir. Je ne peux pas quitter ta maison, venir m'asseoir dans la maison. En tout cas, tu es ma femme ou bien? Eh bien, carrément, le souvenir. Maison, venir m'asseoir dans la maison. Le souvenir qu'on a, puisqu'on a eu la chance de le recevoir ici sur ce plateau, et à travers différentes interventions également, c'était quelqu'un de très taquin. Il n'hésitait pas à taquiner Annie. Je salue énormément. Pipolémique. Lui, Yves Mar, en fait. Il réagissait sur un sujet précis, mais il allait au-delà, au-delà. Il allait toujours au-delà. Il ouvrait son cœur et il était grand en générosité. J'aimais Kuiper. Dis-lui, il est altruiste. Faut pas en dire généreux. Altruiste. Il dit, ça a dit généreux. Mais faut dire généreux. Il dit, non, lui, il est altruiste. Je vais vous raconter une petite histoire. J'aimais Kuiper s'est retrouvé à mon mariage. Le maire du Cocody de l'époque, Gaumont, était témoin de ma femme. Et donc, il était sur la table de séance à la réception le dimanche. Il nous a reçus à son restaurant où on mangeait. Et jamais, il allait s'asseoir. Il dit les sucreries, les boissons qu'on sort de la glacière du maire. Là. Ouais. C'est ça que le vieux boit. Voilà. À un moment donné, c'est ton tour de chant. Donc, il vient au micro. Et puis on va se lever pour louer le Seigneur. Et le maire, son protocole lui parlait, donc le maire restait assis. Il dit, moi, il dit de se lever, puis tu as dit, toi, tu es qui? Voilà. Ça, c'est. Il dit, c'est le maire de Cocody. Et puis il y a quelqu'un qui court là, mon petit frère court. Et puis il dit, c'est le maire de Cocody. Il dit, ah, tu seras réélu. La belle parade. Ouais. Ah ouais. Ah. Il a relu. Ouais. Ouais. Moi, ça chantait. Bon. Voilà. Ouais. Sacré. Vous dites de jouer Dieu, vous jouez les dangereux. Quand vous êtes en danger, c'était les boss dans le coin. Il faut les voir se lever un à un. Donc, vous ne louez pas Dieu. Ah, vous êtes plus grand que Dieu. Ah, d'accord. Vous jouez les dangereux, non? Alors que vous êtes en danger, les gens sont levés un à un. Il avait l'air de. Il savait interpeller les gens. Oui. Sacré Kuiper. Les gens là, ils disent, on laisse ça. Ouais. On me fait signe avec Yann Cédric, dans la main courante, dans le domicile familial du défunt, Chizakoumachi, quartier Fanny. Je crois qu'il est Yann Cédric, pour parler de lui, et en compagnie de la petite sœur de. L'épouse de Germain Kuiper, Madame Adopo, qui fait un témoignage sur le défunt. Et si, par ricochet, vous avez des personnes à remercier, on sera très heureux. Et pourquoi pas, l'antenne vous sera cédée pour ça. Aussi, s'il y a des programmes, des informations et tout ça, on voudrait bien savoir pour communiquer à ces mélomanes, à ces fans et à ceux qui nous suivent en ce moment. Madame Adopo. Je suis Madame Adopo, née Kofi. Je suis la petite sœur à l'épouse de Germain Kuiper. Germain Kuiper, je l'ai connu en 2002 à la source. J'étais allée connue en retraite. Lui et ma grande sœur n'étaient pas encore mariés. C'est là-bas que j'ai fait sa connaissance. Je le voyais tout le temps avec ma grande sœur. On n'a pas beaucoup de garçons dans notre famille. Donc nos beaux frères sont comme des aînés, des grands frères pour nous. Jamais on l'a accueilli comme un grand frère. Aujourd'hui, il n'est plus. On a perdu un beau. Mais c'est un grand frère que nous avons perdu. Germain était un grand frère. C'est le premier beau de notre famille. Il n'est plus aujourd'hui. C'est une grande perte pour nous. C'est une grande perte pour nous. C'est difficile. C'est difficile pour notre soeur. C'est difficile. Pour nos neveux, je veux parler des enfants, c'est difficile. Et heureusement que nous avons Jésus-Christ. Ce Dieu que j'aimais servait là,
C'est ce Dieu-là que nous avons. Et c'est sur lui que nous nous appuyons pour traverser cette épreuve difficile. Je voudrais profiter ici pour dire merci. Merci à tout le monde qui, depuis l'annonce de son décès, ne cesse de nous appeler, d'être à nos côtés, d'être aux côtés de la veuve, des enfants. Tout le monde, on dit ici merci à tout le monde pour le soutien. Que chacun reçoive la bénédiction. Merci infiniment. C'est difficile, mais nous puisons nos forces en Jésus-Christ. Et nous croyons que ce Dieu-là nous donnera la force de traverser cette épreuve-là. Nos condoléances les plus attristées à la famille qui traverse ce moment les plus délicats. C'est une grande perte, pas que pour la famille, mais pour la Côte d'Ivoire culturelle dans son ensemble, pour l'ensemble des chrétiens, chantres. Nous avons perdu quelqu'un. On rappelle que nous avons tenté, mais pour selon certaines dispositions pratiques et familiales, d'avoir la veuve, mais c'est impossible pour le moment. Et ce qu'on peut comprendre, on lui présente, par le truchement de cette émission, toutes nos condoléances. On sera la 3, bien sûr, à travers le groupe RTI, sera de cœur avec la famille et bien sûr soutiendra autant que faire se peut la famille, parce que Kuiper, c'est avant tout un ambassadeur culturel de la Côte d'Ivoire. Et il le restera. Je n'ai pas envie de demander à Ellie comment va la veuve, mais dans quel état d'esprit elle est. Juste de quoi donner quelques nouvelles à nos téléspectateurs, à nos internautes, à ces mélomanes, à ceux qui s'inquiètent. Ah, mais Marie-Lo, c'est... Ah oui, là, c'est difficile parce que jamais lui a simplement dit qu'il revient. Lui, il devait revenir la même nuit. Parce que le lendemain, à 10h, il avait une autre prestation ici à Abidjan. Abidjan, mariage. Voilà, donc il partait et pour jouer rapidement. C'est pourquoi il était justement pressé de partir. Arriver, parce que lui, quel que soit ce qu'il est, jamais il est toujours à l'heure. Si vous lui dites que tu fais ta prestation à 14h30, à 14h15, il est là. Même 13h, déjà 13h30, il est dans les avions. Quelquefois, il vous met la pression, mais peut-être une heure avant. Ouais, il est assis. À 30 la fois qu'il est là. Il n'a jamais été en retard sur l'heure que vous lui donnez pour une prestation. C'est impossible. Ponctuel de la terre. C'est impossible. Waouh. C'est impossible, il n'a jamais été en retard. À la limite, même, il te met une pression pour dire, je suis en train de venir, mais chaque 5 minutes, il t'appelle. Pour te dire qu'il est en train de venir. Et donc, pour elle, son mari reviendrait. Et comme nous tous, nous sommes restés là. Moi, c'est quand j'ai eu l'image. Parce que le président Cyril Sylvain, SPCA du Burida, le pasteur m'a dit, c'est eux qui, sur place là-bas, ont pris les choses en main, à couper. Ils ont travaillé de sorte qu'on puisse avoir le corps de Jemais le samedi. Donc, depuis le matin, 6h, ils étaient là-bas en train de passer de service en service entre l'hôpital et la gendarmerie, a fait des courses pour avoir une autorisation pour permettre au corps de quitter à couper. Et donc, quand eux, ils sont arrivés en présence du corps, je leur ai dit que c'est vrai, nous, on est rentrés à 5h du matin, pratiquement. Ouais. Mais on a pleuré. Je ne crois pas encore que Jemais soit mort. Pour que je puisse me libérer et qu'on puisse aller affronter la situation, faites-moi le plaisir d'envoyer sa photo. Je vais moi-même vérifier. Donc, il m'a envoyé sa photo via WhatsApp. Donc, effectivement, c'est là que je me suis rendu compte que... Parce que quand je parlais aux gens, je disais, il paraît que Jemais est mort. On dit que Jemais est mort. Et là, quand j'ai vu ça, je savais que mon frère était parti, c'était fini. C'était fini. Et puis, le clou, c'était le soir avec les embouteillages. Ils ont quitté à couper autour de 15h55. Ils sont arrivés à Abidjan ici, le corps est pratiquement arrivé à Abidjan, à Ivosep, à 19h. Waouh. À 19h. Et Jemais était sous nos yeux. Il était là sous nos yeux. C'était fini. Voilà. Et donc, c'est une femme
que je sais courageuse. C'est une femme que je sais courageuse. Je sais qu'elle a l'habitude de se battre pour sa maison. Elle a l'habitude de se battre parce qu'elle sait le travail que son mari fait. Elle est très touchée. Parce que nous autres, quand elle nous voit, elle voit jamais là tout de suite. Mmh. Elle voit jamais là tout de suite. Et c'est très difficile. Mais comme la sœur a dit, c'est naturellement... nous autres chrétiens, nous avons une espérance après la mort. Et nous croyons à la personne de Jésus-Christ qui, naturellement, va venir secourir les orphelins. Ouais. Il est le Dieu des orphelins, il est là aussi pour la veuve. Qu'il en soit ainsi. Amen. Combien d'enfants laisse-t-il ? 4. Kaipeu, il a 3 enfants. 3 enfants. Sa première fille, Grace, est en terminale. Il y a David et puis il y a la plus petite. Shalom. Shalom. Ouais. Ils ont vraiment des jolis enfants. Ouais. Toujours je lui disais ça. Kaipeu, tu as des jolis enfants. Ses filles lui ressemblent beaucoup. Ouais. Ah, vraiment, ouais. Le garçon ressemble à sa mère. Ouais. En tout cas, tout courage à cette grande et belle famille. Et puis, voilà quoi. Courage et Yaku. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Concernant les programmes, les dispositions pratiques, l'information qu'on nous donne, c'est que ce soir, la famille se réunit. Et puis, au sorti de cette réunion, on aura bien sûr les informations adéquates concernant les différents programmes qu'on aura l'occasion de communiquer. Mercredi. Mercredi à 18h, il y a une grande rencontre parce que la famille a bien compris que Jemmé appartient à une église. Ouais. Donc l'église de Côte d'Ivoire. Okay. Jemmé appartient à... Justement, et au niveau des chantres, comment vous organisez? On a eu une réunion hier, autour de 15h. Mm-hmm. On s'est parlé sur ce qu'on aimerait faire pour ces obsèques. Comme, je ne veux pas rendre ça officiel. D'accord. Parce qu'on n'a pas encore parlé à la famille. Tout à fait. Pour faire valider ça. On doit avoir une rencontre avec la famille. Voilà, demain, on aura une rencontre entre les chantres, d'une part, la famille et puis l'église. Et l'église. L'église, pour qu'on puisse élaborer un programme en bonne et due forme qu'on va vous communiquer certainement dès le jeudi matin. Ouais, ouais, ouais. Et rassurez-vous, vous aurez toutes les informations adéquates pour cette disposition à prendre pour rendre un dernier et vibrant hommage à ce grand monsieur, tout simplement, qui nous a quittés vendredi dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire pour refermer cette émission, cet hommage? Ce qu'on peut dire, c'est que nous retenons de Jemmé Kaipeu quelqu'un qui aimait son travail. C'était un passionné. Il était prêt à aller même jusqu'à faire Kessédougou ou à Wangolo pour répondre à une invitation. Et même reprendre le chemin pour revenir le même jour pour répondre à une autre invitation. Et dit aussi que tous les chantres, même tous les artistes de Côte d'Ivoire, parce que Kaipeu, ce n'est pas seulement les chantres, on le verra au travers de la veillée artistique, parce que ce sera une veillée vraiment artistique selon le thème. Donc tout le monde sera là, puisqu'on reçoit des coups de fil des managers, des artistes de tous bords. Et donc Kaipeu, c'est une bénédiction. Kaipeu, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert. Et je voudrais vraiment appeler à l'union de tous les chantres pour qu'on puisse ensemble lui rendre un vibrant hommage à Kaipeu qui restera toujours par ses œuvres et tout ça, comme il s'appelle Esprit, mm-hmm. Il sera toujours Esprit là. Il va rester gravé dans les esprits de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire. Je le dis par abus de langage, il appartient à l'État. Mm-hmm. Non, Esprit, lui, il n'appartient pas à une communauté précise. Il appartient à l'État. C'est un artiste, on va dire un chantre international, depuis l'Europe, un peu de partout, tout le monde m'appelle, les gens m'envoient des condoléances parce que la dame du Cameroun là, qui nous avait invité, elle pleurait même dans mon WhatsApp hier, elle dit ce monsieur il m'a taquiné, esprit, ouais. C'est qu'on retient de lui que c'est quelqu'un qui est beaucoup chambreur, mais qui est vraiment sympa au prime abord, c'est qu'il n'a pas besoin de te connaître 15 ans pour être sympa avec toi, ouais. Vraiment il va rester gravé dans les esprits des gens et je retiens qu'un esprit ne meurt jamais aussi. Un esprit ne meurt jamais. Ouais, c'est un artiste au vrai sens du thème. Parce que quelquefois, les chantes, même à l'église, on est un peu étonné d'appeler d'abord nos chantes artistes. Mais c'est un artiste au vrai sens du thème. Ouais. Il a compris ce que c'est que l'art, il a compris ce que c'est que la musique. Et il s'est exprimé au travers de cet instrument. Nous allons lui rendre un hommage, mais grandiose et mérité. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on lui doit. Ouais. C'est ce qu'on lui doit. Et puis, naturellement, il y a des enfants qui sont là. Il y a une femme qui reste. Et donc, c'est un élan de solidarité. Hein. C'est vers ça qu'il faut qu'on se tourne. Ouais. Il faut qu'on se tourne vers un gros élan de solidarité pour que sa femme et ses enfants puissent retenir que Jemmé est un grand homme et restera un grand homme. Merci en tout cas pour cette amorce.
avec cet hommage qu'on a pu rendre ou qu'on a essayé de rendre à l'homme. Merci Élie Oyedou, on le rappelle, président des acteurs du gospel en Côte d'Ivoire, mais également cousin de Germain Kuyper. La chanteuse Léa, que vous reconnaissez tous et toutes. Et également pasteur Guy, président de la mission chrétienne évangélique Bethel. Merci infiniment pour ces témoignages émouvants. Et on continuera de rendre hommage à l'homme, parce qu'ici, au risque de le répéter, un artiste ne meurt jamais. 28 mai 1975, 11 février 2022, Germain Kuyper restera éternel, tout simplement. Merci à l'équipe Plateau du Jour, Annie France, Désiré Alla, Marie-Dominique. Merci à vous téléspectateurs et internautes. Il n'y a que de l'amour par ici. Merci.